Yo, what's up, c'est Gizmo et t'es en train de regarder Trace, mon sauce. C'est aussi, on cherchait une musicalité qui soutient, un truc qui t'agresse pas, qui s'écoute tout seul. Que tu peux même mettre dans une soirée posée, calée avec des amis, en musique d'ambiance ou quoi, un truc fédérateur qui, tu sais, qui laisse un peu le temps aux gens de s'évader. Hey yo, casque sur la tête, stylo dans la poche. J'écrivais dans le métro, t'écoutes Gizmo dans ta porte. J'aime la musique depuis tout petit, hein. De la première consultation jusqu'à d'où je vis, hein. J'ai eu le coup de foot il y a 15 ans. Ils m'ont rendu ouf à cause d'eux. En CE2, j'ai mis un coup de boule à pensant. C'était mon truc, le rap, la sao. J'écoute ça avec maman depuis le bac. J'ai un discours qui parle à toute une génération, mais les gens sont bien conscients que. C'est vraiment moi, tu vois, c'est mes idées propres qui sont sur le track. Et ouais, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup. Il y a moins de fougue, en fait, tu vois. Normal, c'est le premier album, je viens de signer, j'arrive, je me dis, je vais faire disque d'or et tout, bam, bam, j'ai tous les textes dans la tête, j'enregistre. La banquise, un peu plus de recul, des morceaux qui nous apportent un peu plus de visibilité, et c'est tout. Un constat des deux albums précédents, où là on se dit, on va chercher une consistance qu'on n'a pas eue dans les précédents et une musicalité surtout qu'on a abordée mais qu'on n'a pas approfondie. Un peu d'inspiration, je m'en vais honorer le hip-hop. Je rappais devant ma classe en faisant des têtes bizarres, en rêvant d'être un MC et de faire des vrais freestyles. Je voulais raconter de belles histoires, en fait marquer mon temps et même l'histoire. Eh, hey, tôt ou tard faudra que tu check mon style. J'y pense devant ma classe car ici qu'est-ce qu'on se gaille. Et aussi faut que je ramène mon possible. Comme une petite devant sa classe, des fois je rêve mon style. Depuis l'âge de 6 ans, moi c'est... Il y a des projets surprises qui arrivent. On sera super présent à Noël aussi, avec des trucs vraiment sympas. Le 21 décembre, je suis sur scène avec Despo à Bordeaux. Le jour de la sortie de mon album, le 19, je fais la première partie de 2 Chainz. Ça va être super cool au Cabaret Sauvage. Une semaine après ça, je donne aussi un showcase au Virgin de Barbès. Et voilà, pour ce qui est en perspective. Et puis après 2013, être le meilleur et détrôner ceux qui disent qu'ils sont les meilleurs, comme je l'ai dit dans Passé Simple. Ouais, ils sont bloqués dans le futur, moi je suis dans le passé. Rien à foutre d'être un mec à la mode, je viens les mettre à l'amende. Et mes négros n'attendent qu'une chose, c'est que je m'en sorte et que je fasse le beat. C'est que je m'en sorte et que je fasse le beat. Je crois qu'il faut aller loin d'ici, d'être sur la lune. En tout cas, faut aller loin d'ici. En partant, je vous dirai si c'est coucou, c'est flagrant, le meilleur c'est Easy Ouzou.